Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Quelle gloire! Il est là, il est présent, il est parmi nous. Ce Dieu-là est en train de se manifester d'une manière glorieuse. Vous pouvez le sentir. Yes. Il est présent, il est parmi nous. Il est en train de se manifester. Il est digne, il est digne. Aboni, honoré, honoré. Aboni, ton père c'est le plus. Lui soit la gloire. Et pas une émotionnée de père sur ce mur. Et pas une émotionnée de père sur le plus. Il y a des aboni na nyoso, aboni na maboko, aboni na milolo. Abongi na kembo, abongi na matasi, abongi na masanzoli, abongi na bokonzi, abongi na alléluia. A lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, est-ce que quelqu'un peut saluer ses voisins de gauche, de droite, liboso de devant, de derrière. Tala moto aza pe mene na yo eza na liboso na sima loboko a maswa mobali oiko pese mbote. Tang ozo pese mbote ozo tombela epe mbula elamu. Ne crains pas la conjonctivite. Tang ozo pese mbote kobanga pe maladie a misu pete ozo tombela e 2024. Et là, Mboula, il y a pas surprise. Ici, la maladie, Zama... la maladie n'a aucun pouvoir. Pour ceux-là qui sont malades, je les déclare d'office. Merci de vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus et vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Père. Ce dimanche est un dimanche qui sort de l'éternité. C'est un dimanche particulier, un dimanche spécial. Où Dieu va laisser des traces, où Dieu va laisser une histoire dans ta vie aujourd'hui. Les jours glorieux, on le remarque facilement. Même si tu es aveugle, tu peux réaliser que c'est un jour de gloire. Mokolo nzamba talisa kankembo na ye to mona ngona misu ata soki ba ibisi yote ozo mona ndenge zo salemawa te nzamba sakiti sinkembo na ye. Merci chorale. Matondi ebele pona bino bayembi. Merci chorale. Matondi bayembi. Vous nous avez amené dans les hauteurs. Bomemi biso penza na mapata. Merci, merci encore une fois pour la chorale. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la chorale? Amen. Amen. Nous avons trois textes ce dimanche. Le premier, c'est notre texte de base, texte principal. Oya liboso ezali likomi na biso ya moboko. Hébreux 4 verset 16. Baebelo mokapa minei molongo azomi na motoba. Le deuxième verset c'est dans l'Ancien Testament. Genèse 22 verset 5. Litangi ya mibale ezali na bondimi ya kala ebandeli. Je dirais du premier au cinquième verset, Genèse 22. Et le dernier texte, c'est Esaïe 9, verset 6e. Je pense que chacun de nous a pris note. Et maintenant, c'est le temps de la lecture où nous devons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Awa tolingi
Totele manali kolo bongo tome miali tangi yali lo bananzambi. Nous sommes au premier texte. Tobandi nali tangi yali boso. Hébreux 4, 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Amen. Deuxième, Genèse 22, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Père Alobi Nae. Abraham, et il répondit, me voici. Abraham, Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes, Isaac. Oyo linga kaming Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Zwanzela kene na mboka Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et si kango yo kotumayembeka likola moko ya ngombonga na kolakisa yo. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Abraham alamuka kitongo makasi abongisi punda na ye. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham est tombé misu, a moni esika ngona mosika. Et Abraham dit à ses serviteurs, Bongo Abraham alobi na basali na ye. Restez ici avec l'âne. Botika la awa na punda. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Ngai elongo nelenge mobali oyo tokokende tikuna po tokumbamela ye. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Sima tokozongela bino. Amen. Isaïa. Ésaïe 9, verset 6e. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Tala mwana botameli biso, mwana ya mobali apesa meli biso, bokonzi bilembo nango ezali kolo na lipeka na ye. On l'appellera admirable. Bako benga ye moto ya kosepela na ye. Conseiller. Mopesi toli. Dieu puissant. Zamba tonda nguya. Père éternel. Tata ya seko. Prince de la paix. Moi, je suis Akimia. Amen. Amen. Merci. Maton dit aux ongles Bakiti. Bien-aimé, pendant toute cette semaine, je suis en train de parler autour de ces versets, Hébreux 4 et 16. Balingami poso mobima, nazali koloba, likolo ya. Qui dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Et de trouver grâce. Je disais ceci, bien-aimé. Tel que nous sommes là, nous tous sommes sous la grâce. Parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. D'office, nous sommes sous la grâce. On n'en disconvient pas. Mais ce que nous devons savoir, la grâce a des degrés. Il y a grâce et grâce. La Bible même nous parle de la grâce excellente. Donc cela voudrait dire qu'il y a une grâce qui est commune. Une grâce que tout le monde possède. Mais au-delà de cette grâce commune, il y a encore une autre grâce commune.
du niveau élevé. Kasi libana yango ya lisanga eza na ngolu mosusu o yango ya bokeseni. Et cette grâce là, bengoluana, c'est pas pour tout le monde. Cette grâce là est trouvable. Ngoluana ezaka ya motonyo sote esengeli moto akozongo esengala lukango. La Bible dit la gloire de Dieu c'est de cacher des choses et la gloire des rois c'est de sonder. Bibia lobin ke manzambe ezali na kati na komesa na koboma makambu pe oya ba konzeli ko kundola. C'est-à-dire en dehors de la grâce que nous avons parce que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous devons encore chercher une autre grâce parce que la grâce a des niveaux. Ingolo bali bana ngolo biso tozwa po to nimela Yesu lokwa makozi pe mobikisi esengale sikatozwa litomba tongo lumoko boya bokeseni. Donc il y a certaines grâces qui sont trouvables qu'on doit chercher. Voilà pourquoi la Bible dit approchons-nous donc du trône de grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Donc il y a aussi la grâce trouvable. La grâce commune, ça c'est la grâce de basse-cour. Mais il y a un autre niveau de grâce qu'on doit chercher et trouver. La Bible dit Joseph trouva grâce. C'est-à-dire que Joseph a fait quelque chose. Il a travaillé, il a cherché Dieu et il a trouvé la grâce. Et cette grâce, si tu la trouves, bien-aimé, tu deviendras particulier. Si tu trouves cette grâce fera que tu te démarques de tout le monde. Pourquoi je dis ça? Tel que nous sommes là, je peux dire à quelqu'un que ce que toi tu fais, l'autre là le fait aussi. Donc la vie est une compétition. Si toi tu es belle, retiens que l'autre aussi est belle. Donc la vie est un terrain de bataille. La vie est une compétition. Si toi tu es intelligent, l'autre aussi est intelligent. Retiens qu'il peut arriver quelque part, on cherche une seule personne parmi tant d'autres pour faire un travail quelconque. Et ça peut arriver que d'autres puissent être plus intelligents que toi. Mais si tu es quelqu'un qui cherche Dieu, si tu es quelqu'un qui s'approche de Dieu, Dieu va faire que tu puisses trouver grâce. Et cette grâce là que tu vas trouver, c'est une grâce excellente. Voilà pourquoi je vous ai dit un jour Jésus allait faire un test au grand hôtel. C'était un test d'anglais. Mais cela m'a posé la première question, j'ai répondu. La deuxième question, j'ai répondu. La troisième, j'ai répondu. Il s'est arrêté là, au lieu de me poser 10 questions, il s'est arrêté à 3. Et il me dit, parce qu'il était sincère. Parce que le poste là que je cherchais, c'est pas son poste. Alors il devait me dire la vérité. Il s'est arrêté à la troisième question pour dire oh, nga mon nazo poser question en anglais. Suka nuanaga. Mais cela m'a interpellé. Je me suis dit c'est
C'est ça la grâce. Lui, il a trouvé grâce. Bien-aimé, nous devons chercher à trouver la grâce. Et on trouve la grâce en s'approchant de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de belles filles. Mais trouver une femme. Pour une femme. Pour une femme, pour avoir une femme. Pose moi si alibal. Là c'est sérieux. On est comme il y a comme il y a côtelette. Parce que si tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Pour ce qu'on dit moi si pena alibal, on a dit bisengo. Si tu trouves ta femme, c'est ça la grâce que tu as trouvée. Ce qu'on dit moi si na yo alibal, on a n'engolu ya. Les filles peuvent être nombreuses, de belles filles sont nombreuses. Bah si a kito ko baza lout. Mais de belles femmes ou de bonnes femmes ne sont pas bonnes. Là, il faut chercher et trouver. Je parle de la grâce. Ah, na ko beta li solo ya ngolu. En grosso modo, ce que j'ai dit durant toute cette semaine. Na mokuse bangam na utukolobane na te ya ki ango poso mobimbo. Mais pour aujourd'hui. Nous venons de lire un nouveau texte de Genèse 22, verset du premier au cinquième verset. Le thème que je vais exploiter ce matin, c'est ne reste pas un enfant, deviens un fils. Ne reste pas un enfant, deviens un fils. La Bible dit, after that, God put Abraham to test. Si manamakamunyoso nzambe yeko kutanisa Abraham. Dieu mit Abraham en épreuve. C'est dans les épreuves où on connaît si celui-ci est encore un enfant ou il est un fils. Et quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Tellement que Abraham cherchait Dieu, connaissait Dieu. Lorsque Abraham a mis ça dans le calendrier, mais père, il n'a pas hésité. Il n'est même pas allé demander la vie de son épouse. Yé, à ta tabanité, à bangi pété, à qui écoute que tout n'a l'icanisé moi si n'aie. Il n'est même pas allé demander la vie de son épouse. À qui n'aie que tout n'a l'icanisé, y a moi si n'aie été n'a l'isso. Parce que lui est Dieu, Dieu d'abord, au commencement Dieu. C'est pas au commencement ta femme. Non. Mais au commencement, je ne sais qui. Non, au commencement Dieu. La Bible ne dit pas au commencement ton prophète. Non, au commencement Dieu. Pour elle, nous avons qui est. Amen. Si Abraham osait aller demander la vie de son épouse, Abraham n'allait pas être ce que nous aujourd'hui. Ce que ça dit, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Zambé na butu, azo bisa Abraham, t'as la paix, sanga moi, non, mon bali, wa likinda, oyo lingakawana.
tellement qu'il connaissait Dieu. Lokola qu'il vivait dans l'intimité avec Dieu. Lokola Abraham a yebaka nzambe. Po abika kana bokuku elokona nzambe. Il était proche de Dieu, il connaissait Dieu. Yazala ki pemena nzambe yebaka nzambe. Abraham n'a pas hésité. Amen. Abraham a baka kita. Il n'a même pas demandé l'avis de son épouse. Il est directement allé sacrifier Isaac. Parce que la Bible dit au commencement Dieu. C'est ça, adorer Dieu. L'adoration, c'est ça. Mettre Dieu au premier plan. Le premier mois, c'est le mois de prémices, nous connaissons, n'est-ce pas? Nous sommes au mois de prémices. L'adoration, c'est mettre Dieu au premier plan. Pour cette année 2024, nous disons au commencement Dieu. C'est le mois où nous donnons à Dieu notre premier salaire. Bien sûr, ton père est là. La Bible ne dit pas au commencement mon père. Solo tata oya boti yo azali kasi Bible lobi te ke ne bandeli tata. Au commencement Dieu. Ne bandeli nzambe nan. Selon la coutume de notre maison, le mois de janvier c'est le mois des prémices où nous donnons notre salaire à Dieu. Le premier salaire, tu peux bel et bien le donner à ton père, mais après Dieu. Si tu donnes le mois de janvier, le premier salaire tu donnes à Dieu, alors le deuxième là tu peux donner à ton père, c'est pas un problème. C'est ça, adorer Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Abraham est le genre de personne qui obéit sans condition. Apprenons à obéir à Dieu sans hésiter. C'est ça, connaître Dieu. À l'âge de 100 ans, Dieu a dit à Abraham de se circoncire. À l'âge de 100 ans, il a fait au même moment avec son bébé de quelques jours. Obéissons à la parole de Dieu, obéissons au principe. Si nous obéissons, nous allons trouver grâce. Nous allons trouver grâce. Au commencement de ce texte, c'est ce que dit la Bible, Genèse 22. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Dans d'autres versions, quitte ton pays. Quitte ton pays veut dire hein, quitte la coutume. Quitte la bière. Quitte le mari d'autrui. Apprenez à obéir promptement. Avec Dieu, on ne réfléchit pas. Si Dieu dit quitte, quitte. Si Dieu dit quitte, c'est que lui n'est plus là. Oh, amen. Amen. Quitte la cigarette. Tika le pipi. Je reviens, ça fait très mal. Quitte le mari d'autrui. Oh, et soaka. Tika mobali abatu. Ne te dis pas, bon, si on a refouté la maman d'Abunengedin. Abraham ne réfléchissait Abraham pas. Abraham a kanisa quitté à tatabanité. Quitte la musique mondaine. Quitte. Tika bande wa mukili. C'est cette vie de péché qui t'éloigne de Dieu. Celui qui vit dans le péché est loin de Dieu. Moto abika na masumu akamosika na nzambe.
Amen. Pour mieux connaître Dieu, il faut s'approcher de lui. Il faut pousser la pémène na yé. La personne qui doit te connaître, toi. La personne qui doit te connaître mieux. C'est celle qui est toute proche de toi. Mon épouse telle qu'elle est là. Moi, si c'est elle qui me connaît mieux que vous tous. Elle me connaît même mieux que mes enfants. Parce que nous vivons dans l'intimité. Son mobile, moi, si cocotte dans la chambre terre, dans son lata, elle est suspect. C'est-à-dire, il y a la transparence. Ça, Ezali, ça. Elle me connaît mieux. Ayebingai, malamu koleka. Elle me connaît mieux parce qu'elle vit dans l'intimité avec moi. Que la même chose avec toi. Si tu vis dans l'intimité avec Dieu, tu les connaîtras mieux. Ayebingai na makasi pe na botaou. Po ayebinga nanga na kati ya bokuku. Si tu es proche de Dieu, tu le connaîtras mieux. Je vous l'ai dit une fois ici. Ça, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, le nombre de chrétiens s'augmente. Le nombre de chrétiens s'augmente. Mais l'intimité diminue. Le nombre de chrétiens augmente. Mais vivre dans l'intimité, l'intimité avec Dieu. Plus les chrétiens augmentent, plus le péché. C'est tous les paresseux. Ce sont les pécheurs qui s'accrochent à ce verset qui dit quand le péché abonde, la grâce sera bonne. Bien aimé, pour vivre en intimité avec Dieu, il faut l'adorer. Il faut mettre Dieu au premier plan. Avant de faire quelque chose, tu dois te poser la question, est-ce que ça va plaire à Dieu ou pas? Quand Dieu a demandé de lui donner son fils Isaac, Abraham n'a pas hésité. Abraham, il a pris l'enfant, le fils. Là, j'insiste, je ne parle pas d'un enfant. Il a pris son fils. Et ses serviteurs. Lorsqu'il est arrivé au lieu de rendez-vous, à la montagne de Morija. Lorsqu'il est arrivé au lieu de rendez-vous, lorsqu'il est arrivé au pied de la montagne, il dit aux serviteurs restez. Il est temps de monter. Vous, serviteurs, restez. Moi et mon fils. On monte qu'avec le fils. Si Dieu veut monter, si Dieu veut aller loin avec toi. Aïe, aïe, aïe. Si tu es un enfant, Sozanan bébé, il ne va pas monter avec toi. Écoute, si tu es serviteur, Sokozali. Mosali, bats-toi pour devenir fils. Otika la combatte la punda. Bunda comment moi la mobile. Bani kama zoke ni okuta na glory zoke ngela ba punda na se. Otika oke ngela ba punda. Ton serviteur n'est pas fils. Mosali nioso azala ka mwana te. Ton pasteur n'est pas fils. Pasteur nioso azali. Fils, il peut être pasteur, mais on se met à Ramazou, ça les autres, il est encore enfant.
Le titre que nous avons, ça c'est l'organisation humaine. C'est pas parce que je suis pasteur que j'irai au paradis. Si je ne suis pas Dieu, je n'irai pas au paradis. Ce n'est qu'un titre. Ne vous étonnez pas quand vous voyez des pasteurs faire n'importe quoi. Il est encore un enfant. Il peut être intercesseur, mais un enfant. Ne te fie pas à ce titre-là. Il peut être prophète, mais c'est un enfant. Il peut être enfermisseur. Il donne des enseignements. Il vous communique la connaissance. Mais c'est un enfant. Jésus disait, celui qui croit fera. C'est-à-dire entre croire et faire. Oyebi, na katikati ya maloboto biko ndima na kosala. Il y a un travail qui doit être là. Ezayi na mosolo esengelo sala na katikati wana. Tu crois. Yo ozondima. Mais tu ne le fais pas. Kachozo sala te. Celui qui croit. Moto andimi. Fera. Akosala. Oh! Il y a des pasteurs qui croient mais qui ne font pas. Et là, bah ça, là, mais bah pasteur, écoute, à zone d'immaner, mais on s'arrête. Il y a des serviteurs qui croient. Et là, bah ça, là, mais n'immaner. Mais qui ne font pas. Quand ça, zone salaté. Jésus est Seigneur. Oui, ça, il le croit. Yes, ça, il sait. Ça, il le sait. Wana yebi. Il a la connaissance. Ah, boyebi. Mais il n'a pas la foi. Quand ça, là, on n'immaner. La foi, c'est la pratique. Oui, quand il m'a peiné, il a dit qu'on s'allait là. Il a dit au serviteur, vous, restez ici. Bino botikala. Moi et mon fils. Nous montons. Tomata. Ceux-là qui montent dans la vie. Ce ne sont pas des serviteurs. Ce sont des fils. Être serviteur, c'est un niveau trop bas. Mais il faut chercher à devenir fils. Dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'Éternel était Dieu. Israël était une nation. Israël a été colo. Dans le Nouveau Testament. Sur Israël était une nation. Israël a été écolo. Dans l'ancienne alliance. Israël était une nation. Israël a été écolo. Voilà pourquoi l'Éternel était Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Israël n'est plus une nation. Mais Israël est devenu un pays. Israël a commis. Voilà. Une famille. Dans la nouvelle alliance. Israël n'est plus une nation. Israël est devenu une famille. Voilà pourquoi Dieu, on l'appelle aujourd'hui Père. Alors nous devons avoir relation entre Père et Fils. Et non Père et serviteur. Oh. Amen. Amen. Nous amène à Salé Lio, nous amène à Lala en église, nous amène à Jenaka, nous amène à Piyaka. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça, ce sont des sacrifices, mais tu n'obéis pas. Nous avons pas de Kamouté. Oh, Yozawa, nous avons un niveau à serviteur. Tikala Okenge la Bapunda. Et Abraham a dit, moi et mon fils. Abraham a dit, bango na na moi na nga mobile. Nous allons adorer Dieu. Tozo mata potogumba melanzam. C'est pour cela qu'on parle de l'église locale et église corps de Christ. Yango mona ba beta ka lisolo ya lisanga etuka. Église locale et église universelle. Lisanga etuka. Il y a deux églises.
Mimosa, tel que nous sommes là, c'est l'église locale. Mimosa, nenge toza boya tozali lisanga. Nenge toza boya tozali ba chrétien biso nyonso. Nenge toza boya toza ba serviteur. Mais biso tout toi ba fisté. Ça c'est l'église locale. Mais l'église universelle corps du Christ. Zoka ecclesia nzoto ya mwasi ya Christ. Il y en a une seule. Kaka moko. Il y a beaucoup d'églises locales. Mangembo Mimosa, Mangembo Bandal, Aseka, La Borne, ce sont des églises locales. L'église qui fonctionne par des titres que l'homme donne. Moi je suis pasteur, l'autre est ancien, ça c'est l'église locale. Mais l'église universelle, celle de Jésus. Église où est Yesu. Il n'y en a qu'une seule. Eza ba oyo ba koma ba fils oyo ba banga kaye na bosolo ye mwa ye bi kiye lisanga la bango wana église à Jésus n'est pas boye oyo te lui même Jésus connaît oyo nga ye yo wana za nga te wa ye ko to lisanga. C'est pour cette raison là dans la vie spirituelle bien-aimée, il faut grandir. Grandir signifie quoi? Chercher Dieu et le connaître. Chercher Dieu et le connaître. Plusieurs personnes ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne grandissent pas spirituellement. Donc il faut quitter le niveau de serviteur pour entrer au niveau de fils. Il faut marcher dans la crainte, craindre Dieu, obéir aux principes de la Bible. Laissez-moi vous dire une chose. En grec, vous savez, comment le français est pauvre. Monoko ya ba français zanga maloba mususu. En grec, le mot fils a des sens. Na ba hela komo ba bengi mwana ya bobali ezaka na bilobeli mibale. Il y a le mot fils signifie techno. Komo fils elingolo ba techno. En grec, techno signifie fils. Techno elingolo ba mwana mobali. Wios signifie aussi fils. Widos elingolo ba mwana mobali lisu. Wios. Williams. Mais la différence c'est quoi? Et en grec on dit techno, ça veut dire un fils biologique. L'enfant qui est sorti de tes entrailles, c'est techno. Quand on attaque la Bible, c'est aux hommes fils, tu es cocani. Non, ma fils est kesseni. Ma fils, wana ba kesseni. Techno, c'est ton fils biologique. Techno, azali, mwana yo boti abimina mitchopo ya musunyina. Willios. Kasi Willios. 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 C'est lui qui, par sa compréhension et son expérience, reçoit le même statut que son père. Ezali, ye oyo. Na bosso soli na ye na makambo ya kolisi na boyebi a komi ne pimelo pour la tata na ye. Willios, qui signifie aussi fils. Willios, oya ma bengi pimelo. Mais c'est différent de techno. Et que c'est na techno. Techno, un fils biologique. Techno, c'est moi na bon temi na mousou. Mais Willios, c'est Willios. C'est quelqu'un par la connaissance et l'expérience obtient le statut de son père. Moi non, na boyebi pe na kokube na makambo. Il a imité son père. Il a imité son père. Comme moi j'ai des enfants. Ils sont mes enfants biologiques. Et ces enfants là, s'ils restent des technos, je regrette. Un enfant biologique n'est pas automatiquement ton enfant spirituel. Ne reste pas techno, deviens Willios. Imite papa na yo, salama kamulokola papa na yo boko kanana ye. Voilà pourquoi Abraham ne devait monter que Abraham. Ne devait monter qu'avec Isaac, parce que Isaac a obéi, a imité
Isaac a rokende, a ko tosa pe ko mekola, a ke yekola ko nga. Abraham ne pouvait monter que avec lui. Abraham a ko mataka na mwana. Voilà pourquoi Jésus est appelé fils. Tana, tina yesu basi a bengi mwana mo. Il a imité son père. Po ye a mekoli tata na ye. Et il a dit celui qui m'a vu a vu. My God, c'est celui la fils. C'est lui qui m'a vu. Oh, moningai. A vu le. A moni tata. Écoutez, je dois insister dans Wios. Est-ce qu'on peut lire un verset? Dans Jean 15. Yo, sango malamu ya Yohane pour mieux comprendre Wios. Jean 5 verset 19. Yohane boka pamita no molongwazo mina liboa. Notre lectrice. Jean 5 19, que dit la Bible? Motange na biso amwa si bibi alobini. Jésus reprit donc la parole et leur dit. Yesu azisu maloba alobina bangobwe. En vérité, je vous le dis. Le fils ne peut rien faire de lui-même. Le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le fils aussi le fait pareillement. Wios. Quand tu as l'enfant de Kola. Boya qui te kino. Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu à vie le Père, parce qu'il est la photocopie, il est l'image. Yes, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et à notre ressemblance. Tu te ressembles à Dieu ou pas? Es-tu techno ou bien Wios? Être fils, c'est pas seulement une position, bien-aimé. Mais c'est aussi une identité. C'est pas seulement une position. C'est aussi une identité. C'est aussi une récompense. Je vais vous dire une chose. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Tu peux naître un être comme enfant, mais à la longue tu deviendras adulte. Un enfant fait la joie de son père. Mais un fils Kasi fait la fierté de son père. Voilà pourquoi Bible le dit tant au moto yambaka Yesu na lola ya la joie. Wana botami. Obotami. Bébé tu seras botami ba sepe la. Mais tu as la bébé en moussant comme un couloir. La coco la nae. Un enfant fait la joie de son père. Moi, na yamo, yamo ke, asa ke se patata. Mais un fils fait la fierté de son père. Kasi oya komé la. Je vais encore aller plus loin. Quand Jésus est né, c'est l'ange qui l'a présenté. Quand Jésus est né, c'est l'ange qui l'a présenté. Mais quand il a atteint 30 ans, c'est le Père qui l'a présenté. Le ciel a parlé. C'est lui-ci est mon fils
Qui est celui-là qui peut faire la fierté de son père? Bien-aimé, je suis décidé pour cette année 2024 que Mimosa devienne mille fois meilleur tel qu'il est aujourd'hui. Je suis en train de mettre les fondements avant de commencer à prêcher les thèmes de l'année. Je ne peux pas du coup commencer à parler des portes ouvertes sans que toi tu comprennes ce que c'est être fils. Quand Jésus est né, c'est l'ange qui a présenté. Parce qu'il est encore enfant. L'enfant, c'est la joie du Père. Mais quand il a entré 30 ans, ce n'est plus question de l'ange. C'est maintenant le Père. Est-ce que Nzamba bête la caillou tolo ou pas? L'enfant peut naître. Mais grandir, ça c'est une autre dimension. Dans Galates 4:2. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mwana sokaza mwana ata papa tike liye ba limousine sokaza ka mwana ba opesa ka yango te akopusa ka yango te azana mwana muke mwana yo zo luka makama minene mais tu es enfant, Dieu ne peut pas te donner. Azana mwana muke ba biloko zo luka yo zo luka libala mais infidélité otikité Dieu ne peut pas te donner okoko hérité libala te ezaya age noté. Mais au pas précipité, au pas dignité. Tu es encore un enfant. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh Jésus. Le problème, c'est pas le diable. Je vous parle en face. Le problème, c'est pas le diable. Mais c'est vous qui refusez de grandir. Si tu es dans les principes, le diable ne peut rien. Si tu crains Dieu, le diable ne pourra rien. Koyamba Yesu, c'est bien. Mais après qu'on y a mis Jésus, il faut qu'on l'a. Il y a tout l'endroit à faire, mais c'est bon. Il y a fait, mais c'est pas tout l'endroit à rater. Pour connaître Dieu. Pourquoi tu peux te comparer aux autres? Les autres ont fait tous les cursus, ont terminé les affaires. Mais si ils ne craignent pas Dieu, c'est leur problème. Mais toi, tu peux réussir là où est on échoué. Et c'est secondaire prolongé, humanité prolongée. Je n'en disconviens pas. Mais moi aussi, je suis sérieux. Il y a une comptabilité très bien. Écoutez, vous savez, en Israël, hein, si tu n'es pas encore atteint l'âge, tu n'as pas encore atteint l'âge de 30 ans. Quel que soit le miracle des prodiges que toi tu dois faire, jusque là, on ne va pas t'annoncer. David a 17 ans.
David, vous savez ce qu'il a fait à 17 ans. David a tué un lion. David a tué un ours. David a tué Goliath. David a bombé Goliath. Mais cela n'a pas changé sa destinée. L'anda bien. Jeunes gens, ne soyez pas pressés. Tala, les gars, tu peux avoir des dons de prophétie. Au cours d'un macabre, Mais ceux aux comme pasteur, t'es qu'on réclame, t'es. Quoi la terre? Vous avez un moine. Oui bien. Mais pasteur, à ça miracle, à terre va bien. Ils ont comprendre fruit de l'esprit na. Dans les œuvres de l'esprit. Il y a bien Bouba, na misala. Oui, mais que c'est les arakats qu'on a. À terre va bien, oui. Sur la télé, mais bas démon bas quoi yaka. Oui. Bengana kaba démon. Il est prophète, il fait des choses. Mais ma kamazo sala na vie à Saint-Oyo Atiki, à Saint-Oyo Atiki, synthétiseur. Misapi moko te me diz misapi beta ka nyonso. Comme j'ai dit, ozo senga, nzambe, pesanga église, il y a 10 000 membres nzambe, 10 000 membres. Mais une église kaka ya 50 personnes au sainte 5 filles. Denza mazu 10 000 apc. Fois 10 000. Bolanda kabato balabalate. Mais pasteur Azomonate, frère Wana. Il y a des gens qui ont des talents, qui ont des. Yana batu balaba makoki. Mais je ne connais, il me fait peur. Si je lui donne le pouvoir de faire tout. Ce qui n'a tiqué lié benango masala nyonso. Parce qu'on est pas ka. Les lobes à serrière. Côté les pédacos. Faut pas y avoir ma camoua. Pasteur n'est même pas. Pasteur. Oh, pasteur, à l'ingaté. J'observe. Joseph. Oh, pasteur, à l'ingaté. Trois versets à Kitoko. Ma péke vimbi. Simbiga trois versets à Théa Combien et si à mon rôle a commis à combien apôtre et j'ai dit oh son ami mien aussi car mino mon boy et bien n'a pas m'sou baken n'a pas mon niveau mon niveau. Bien aimé. Balinga mi. To yebin zambete. Yeban zambé. Banda lelo, banda ko lukae. Ne sois pas pressé à dire n'importe quoi. Oh, passer à sali boy. Non, non. Kowe la gati o le mamakamnyoso. Kolo bambang bangute. David à 17 ans a tué un lion, a tué un ours, a tué Goliath. Mais il était resté berger. David, avec la mamoula zomina sambo, abomi Goliath. Il n'est pas devenu roi. Atika liga ko kengele mapatia tata na ye. Akoba yibu konzite. Pourquoi vous êtes pressé? Pour la nuit, nous sommes tous les deux là. Bon. Dans ma note, le théâtre, mon garçon, moi, j'ai un bon mot, j'ai un bon mot, je crois à quoi. Je suis un bon mot. Au bossani, ma ramoua bandako salayo. Moi, si on a répondu, on a dit, pour la nini, mi bal en piaka, ma casse n'a passé. C'est pas pour mon cas, disons. Et ça, où est allé à terre? Moi, j'étais à Bandal, je dirigeais la chaîne de prière.
On confondait la chaîne de prière à un culte. J'ai fait des années durant, na comment ça pasteur te. Na kambi chaîne de prière bamvula na bamvula, na mi komisa pasteur te. Yo ne kina na gloire te, yo na no vivre gloire te. Kana mi moza bamba. Moi mutuka na onza ba pension, mutuka wana kaka, mutuka wana. Osio bandi. Qui a 4 et 6 mon 12 fois. Nous avons attesté à tester. Mais qui est-ce que malgré les prouesses que David a fait, parce qu'il avait encore 17 ans. C'est à 30 ans, quand il a atteint 30 ans, que Dieu lui a donné le trône. Dieu a attendu des années durant malgré ses dons. Jusqu'à ce qu'il avait grandi et Dieu a remarqué que non, il n'est plus enfant, il est fils. David a collé, à 30 ans, il nous donne le trône. À 30 ans, il nous donne le trône. Mais quand il avait 17 ans, il a tué un lion. Il a tué un lion. Dieu l'a introduit dans le palais royal. Chez Saoul pour apprendre. Malgré Saoul, la bombe lion. Amen. Amen. Élie est la première personne à ressusciter un mort, mais son nom n'est pas cité dans la liste des héros dans Hébreux 11. Élie a dans la moto, y a les bossos à sécuiser mon koufi, car c'est battangé la 4-4 à ma combat bilombé dans Hébreux 11. Pasteur, il y a des gens qui ont été. Pasteur, mais il y a une chaîne de pierre et réussi, pasteur. Mais il y a des gens qui ont été retraités. Pourquoi on remercie Batou? On remercie les gens. Autant que vous avez été, pasteur. Hein, pasteur? Vous avez été palmarès? Si vous avez été en train de yo pe batanga kao soki mate bandi batanga kao pe test de maturité ba omega sokoli ozana no mwana olinga komo no pe kota na liste mwana muke. Amen. Yo nano vivre passé respect hein. Daddy a coach. Daddy a coach. Daddy a okaza na poto alobi matu kilto yo ya vendredi yo mto ko diriger prépare moi. Préparez. Bon, qui ça m'a dit? Bon, qui ça prier. Gêné. On est guette à ce moment. Bon, manzo ton préparation. Vendredi et coquille. Ah, mange moi avec la boulotte. Bacha yote. 5000 personnes. Ils ont événement. On a pas à se préparer. 5 minutes avant l'hiver, je suis passé à Bimi et moi, Mati. Je suis allé à ah! Donc, 3 jours, il y a préparation. Je suis allé à Zomon. Cola! Maman, je suis allé à Zomon. 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 Je mais à côté de l'autre, au colito, au colité. Ce sont des fils. Pas les enfants. Pas Mikete. Moi, je suis à Bungi, à Ibarate. À Bungi. Moi, je suis à Bungi, à Ibarate.
na Suisse na foire moko ba para ba bungisi mwana na Suisse mwana za te ba luka foire ngoya ba para bazo buda bazo luka mwana bazo luka ba tala yekuna ba yekuta yesika moko avandi na ye azo sakana na mabanga aba iteka bungi ba para ba luka. So osa li banda, so osa mwana, kwe bate kosa li banda, yo kan soana nzela. So yo so chana mutuke, nina kosa la pasena mimosa, pula banzele, kwa mwana. Chesa. Bapesa nga eglise, bapesa nga eglise, banzele, tu osa mwana. Okolite. Nano kolite. Ozo elo kwa no kuswangote. Na comme passer une église bona mabonza na nyamora na pena somba jeep au colité nzamba zotala na noa. Est-ce que ozo privilégier un terrain na ye so ka monique po baliki ba boma Isaac moi na 18 ans papa comme na papa sa comme na santa après ko beta papa na ye c'est le mythe papa zo kanga ba singa za ko mitika malgré ma casse ya mwana mais amitiki ba kanga singa. Amen. À 17 ans, bien que David a fait des miracles, mais il devait d'abord passer par le palais royal chez Saül. Apprendre, avoir la maturité. Écoutez, bien-aimé. Le plus grand don que Dieu peut partager avec ses fils. Le plus grand don que Dieu peut partager avec ses fils. C'est la gloire. Jésus a dit. Père. Je leur ai donné. La gloire. La gloire, on ne donne pas ça à un enfant. Tu veux devenir président de la République. Mais si tu es un enfant, tu dois encore apprendre. Ne restons pas des enfants. Grandissons. Le problème c'est pas le diable, le problème c'est nous. Nous ne voulons pas grandir. Dans Jean 1. Apôtre Jean bien-aimé. Thomas Yohane Alobi. Vante la gloire. Qui était en Jésus comme fils. Il vante cette gloire. Tout est l'enquête en tolo. Comme un fils, pas comme un enfant. Le cola moine a comme lui moi. Jean dit. Nous contemplons sa gloire. Bien aimé. Dieu n'a pas de problème. Si tu veux que Dieu puisse te donner la gloire. Grandis. Kola nanu. Solingi batu omeli sabatu soi balo bango. Nenge jalobi. Donne ko contemple gloire na ye. Bako lenge la peko tele la kembo na ye. Solingi vina yo meni sabatu soi. Solingi li bala no meni sabatu soi. Kola nanu. Kola, tika makamwana. Tika. Attends le baki au Zakara. Attends le baki numéro à papa wana et Zakara na téléphone. Bobo yana mais numéro et Zakara. Au Kabwana na ex, mais ozana na numéro na yana téléphone na yo. Bonne intervention rapide. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ce que ozana nga a coquité. Na robenga.
Obéis à ton pasteur, efface son numéro. Abraham a obéi sans condition. Ton pasteur na yo, le voilà numéro na yé, go bakalo le côté. Dans Genèse 22, quand Abraham est arrivé au lieu de rendez-vous, il a dit au serviteur de rester au pied de la porte. Moi et mon fils, nous allons adorer. Adorer veut dire entrer dans l'intimité de Dieu. S'approcher de Dieu. Quitter le monde physique. Pour entrer dans le monde surnaturel. Tel que nous sommes ici, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux-là qui sont dans l'église, et d'autres ne sont pas dans l'église, mais ils sont dans la présence de Dieu. Ils sont tout au continent, mais ils sont tout au continent. Oye okoti awovandi. Ça c'est en anglais, c'est mieux. En anglais c'est mieux. En anglais ça parle pas bien. You come to the church. Okoti nakati na lingomba. Wana oye nakati ya tempelo. Mais si on dit you come to church. Abi son siko yo oye l'église. Est-ce que vous sentez la nuance? You come to the church. You come to church. I'm going to the church. Mais quand je dis I'm going to church, dès que nous sommes assis là, ton voisin de gauche, lui il est à l'église. Mais le voisin de droite, lui il est dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi entrer dans la présence de Dieu, c'est entrer dans le secret. Dans le secret de Dieu. Dans le secret de Dieu où il y a des révélations, où il y a des promesses. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé. Hier, je devais être à une fête. Et dans cette fête, c'est moi qui devais être à l'honneur. Un de mes fils a fêté son 50e anniversaire. Il m'a dit, papa, c'est toi qui seras l'invité spécial. Mais je me suis excusé en disant, j'ai culte demain. Je privilégie l'intérêt de Dieu. Nazo bundana no pona litoma mangamanjam. Ami tu zala kia? Oza kina fetu ana? Eh, pa miti akine. Yo bonga okende Paul lelo sa elote. Yes, singala akine Paul lelo ngosa elote. Un endroit où on devait m'honorer. Et si quoi singala ba bete la kama boko? Nengara loko la roi na fetu ana parce que lui il est fier de moi, il dit ba mona papa nangai. Mais na s'excuser. Nabi, je culte demain. Je dois prier. Un fils, c'est celui-là. Moi, je suis allé. Na mama iget Nicolo yo bitumba. Ah. Wana déplace à Royer parce que Nzambe a Nicolo ya famille. Combien de fêtes hier, ils avaient encore une fête. De fête boni. Ya libala. OK, ninga bina okendete. Combien de fêtes aux Angliens? Bon, en Zambie, le banan zara na elo wa osalate.
Mais pour Dieu, je connais, Dieu t'a acheté à un grand prix. Mais je ne peux pas prendre à la légère les cultes d'aujourd'hui. Je dois avoir quelque chose à vous communiquer. Je dois vous communiquer la vie. Je dois vous communiquer la vie. Vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Et c'est là où on connaît que celui-ci est un fils. Celui-là est un enfant. Il est à 3h du matin. Na fête kuno nimbite obini 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 we onimba awa. C'est-à-dire fête le colo nous a menacé. C'est yé kaka yé yé yé. Même si nous avons été, ce n'est aucun fait. Nous avons dit que 23h, demain c'est culte. A te tréli moutou moko, pour que nous avons dit 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 pasteur nous avons non, nous sommes des mises à part. Nous sommes des mises à part. Nous ne pouvons pas faire les choses que tout le monde fait. À cause de Dieu. Grandissons, grandissons. Quand Dieu voit ça, Dieu voit ça. Il va monter avec toi. Le pied de la montagne où il a levé les, il a laissé les serviteurs. Ça c'est la basse cour. Ça c'est le lieu de tout le monde. Les serviteurs au pied de la montagne. Ça c'est pour tout le monde. Ne sois pas monsieur tout le monde. Linda Sokoyesika. Balobi. Son excellence. Monsieur. Maurice et son excellence Monsieur Claude Kabasubabou ainsi que hein? Gloire à Dieu Zamazalokom soyez ma tangyona. Oh, ainsi que, mais c'est tout le monde, mais c'est tout le monde. Ceux qui battent la carte à votre nionce. Vous avez ramassé tout le monde. Ma bengo ka messie. Ceux qui battent la carte à ma tata, ma maman, bandoki, bandeko. On a messie tout le monde. Dieu va t'écarter de tout le monde. 2024, yo osali léopard, osa sélection ya Nzambe. Amen. Bah on va nous remettre la Coupe d'Afrique, bah on y a sauté. Dieu a choisi. Et je l'ai dit, Dieu va te choisir cette année. Dieu va te choisir. Qui est le choix de Dieu? Qui est son fils? Ils sont restés au pied de la montagne. Et après, Abraham et Isaac ont commencé à monter. Monter veut dire consécration. Monter veut dire abandonner tout. Comme moi hier, j'ai sacrifié la fête à constitution d'aujourd'hui. J'ai abandonné le plaisir, j'ai abandonné le mort. Et d'ailleurs, plaisir à seul les ans à Jésus. Bisema solo kati na kolo. Atoboya men ba ange balobi amen na likolo. Amen. Ils ont commencé à monter avec Bangwana bazoba Abraham et son fils. Abraham na mwana mo. Les serviteurs sont restés. Basali batika. On verra la différence. Au romona bokesi. Entre toi kati na yo et eux.
Toi qui as obéi, toi qui as écouté, on verra la différence. Abraham et Isaac sont montés et ils sont arrivés au sommet. Il va arriver au sommet. Et lorsqu'ils sont arrivés au sommet, le sommet c'est la divinité où on parle de, avec Dieu face à face. Où on est face à face avec Dieu. Où on est tout proche de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les sangs d'Abel criaient. Parce que à cette époque, le croyant était loin de Dieu. Voilà pourquoi les sangs devaient crier. Mais dans le Nouveau Testament, le sang ne crie pas. Le sang parle. Parce qu'on est tout proche de lui. On est tout proche de lui. Il est temps de parler avec Dieu face à face. Quand on est dans l'intimité, on ne crie pas. On devient fils. Je dis, tu fais tout ce que ton père te demande de faire. Et tu deviens sa fierté. Dieu te bénisse. Je demande à mes collaborateurs de travailler. Nous devons grandir dans nos qualités de message. Ne soyons pas subjectifs dans nos messages, mais soyons objectifs. C'est-à-dire, ne cherchons pas à plaire aux gens quand nous prêchons, mais cherchons à plaire à Dieu. Voilà pourquoi les paniers, il n'y a rien.